Et puis le syndicat de celle qui nous a permis dans les manifestations qui est organisée par les soutenants. Monsieur Siméon, je suis désolé, je suis passé à côté de vous, vous avez même pas vu les gars. J'entendais le bruit d'abord. Mais en fait, c'est. Comment allez-vous? Ça va et vous? C'est le maillot, il rate ici. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Code Révision, on pourrait faire la web TV autour du Code Révision. On est ici à Le Cateau pour les canards, c'est dans quelques instants. Ensuite, je vous invite à rejoindre le centre-ville, c'est-à-dire dans l'Hôtel-de-Ville, où là vous aurez les résultats des 60 gagnants, donc le premier film qui vous est fait, je le rappelle. Et puis vous aurez la possibilité d'écouter des chanteurs, de tout style, jusqu'à avec du rock, il y a du reggae, il y a du gospel, il y a tout pour vraiment tout. Et on a fait en sorte que tout le monde puisse se trouver sur la route, faire en sorte qu'on nous passe tous ensemble une bonne soirée, et puis sans oublier le gâteau de fonction, bien entendu. Réunis en ce moment le cochon bébé, et puis je voudrais également signaler un partenariat qui m'a été également avec toi aussi, le sac de gâteau, et là également ce soir, on aura de la bière à déguster, bien entendu, de la bière, et puis également des groupes qui vont se présenter à Bordeaux. Je vous invite à rester sur l'espace de plaisir. Et par exemple, par rapport à la santé, vous pouvez vous déguster soit une bonne bière, soit une boisson que vous souhaitez, pour passer à tous un moment. Avant de rentrer dans la musique, voilà, donc je vais laisser mes collègues de Jessie Canard faire les derniers préparatifs et puis faire en sorte que le premier canard à travers la monnaie soit jeté ou on se jette à l'eau. Voilà, on peut vous dire qu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont ici autour de cet événement. Trois personnes maximum dans la selle, voire quatre, on verra, mais pour protéger aussi cette rivière. On n'est pas là pour déstructurer l'environnement privilégié. La selle, c'est quand même un joyau naturel, un joyau régional. Donc on garde en tête de protéger cette rivière et tous les canards seront récupérés. Voilà, donc on va, je pense, remplir le godet. Ça, c'est un grand moment. Alors, il y a 10 000 canards qui sont arrivés. Avec les Néerlandais de la Reparonne. Il y a deux personnes qui ont fait la Reparonne. Qui sont là aussi. Des amis néerlandais. Alors Alban, c'est parti pour cette énième course. Bonjour Christian. Troisième course de canard en plastique, démarrée en 2017. 2017-2019, le coup d'arrêt en 2021. Mais on est là en 2022 et en plus on est sous le soleil. C'est encore mieux. C'est combien de temps de préparation pour arriver à ce moment-là? La première année est toujours beaucoup plus longue. Je dis pas qu'elle est pas très longue celle-ci, mais en fait c'est énormément de temps pour les lots, pour les demandes d'autorisation. On est sur un cours d'eau avec la truite Fario, on a un cours d'eau qui est classé quand même, ouais, monsieur le maire, voilà. Mais donc on a des normes à respecter, on doit être dans l'eau, mais à pas plus de 2 voire 3 maximum, ne pas créer de remous, etc. Donc tout ça c'est des choses qu'on doit gérer vraiment en amont. Et puis après je dirais bien, on se rend pas compte, mais il y a énormément de travail derrière, de toute l'assaut et la vente de billets aussi, parce qu'on a quasiment plus de 5500 billets qui ont été vendus depuis 6 mois, dont on va dire la moitié sur les 10 derniers jours. Monsieur le maire, ça fait quoi d'être ici avec les chicoureurs pour cette troisième édition? Ben, c'est un moment de bonheur et de joie de toujours recevoir les chicoureurs. On oublie les objectifs de cette asso, c'est lutter contre la maladie. C'est un plaisir, après 2 ans de Covid, de retrouver actuellement des événements où les gens peuvent se voir, peuvent se parler, revivre dans le sens du terme. Avec les chicoureurs, on sait que c'est toujours des opérations réussies. Puis au Cateau, c'est un cadre un peu bucolique, c'est la selle, c'est un peu la campagne avec le syndicat de pêcheurs qui a donné un avis favorable. Et c'est aussi la fête de la musique, après avec des groupes, des orchestres, avec les commerçants qui font du jambon grillé et puis le conseil municipal des jeunes qui s'investit. Donc c'est un moment festif aujourd'hui. En plus, une chance, mais on a toujours beaucoup de chance. Au Cateau, tout est toujours beau, je dis souvent. Il fait un temps splendide, certains diront qu'il fait trop chaud, mais les gens vont arriver progressivement. Et puis c'est surtout
les objectifs qui m'intéressent de l'association, et puis le plaisir de revoir des gens. Et puis merci à Code Révision d'être venu au Cato. Merci Christian. Mais comme après 2 ans de Covid, je vais dire, ça fait pas drôle de revoir ces festivités ici dans votre ville? Ben, ça fait toujours drôle. On a vécu 2 ans quasiment d'isolement, puisque toutes les communes organisaient des fêtes, ils devaient les annuler. Les gens ne voulaient plus trop sortir. Ils se retrouvaient dans un isolement. On n'est pas encore revenu à retrouver la vie d'antan. Mais il faut avoir confiance, même si actuellement, il y a des menaces certaines que l'épidémie revienne assez vite. Il faut vivre ces moments-là. La vie, c'est de vivre des moments de rencontres, de joie, de bonheur et même malheureusement des moments de difficulté. Moi, ça me fait le plaisir de revoir mes citoyens et puis les copains caudrésiens ou bertrais qui viennent nous voir, et ça, c'est bien. Ça, c'est l'esprit un peu de notre territoire. Aujourd'hui, vous avez cette manifestation. Il va y avoir d'autres manifestations ici à Le Cato? Aujourd'hui, c'est une manifestation qui va se terminer très tard. Après les ch'tis coureurs qui doivent arriver, les canards, vers 19h, nous lançons ce qu'on appelle chez nous une fête de la musique à cool, puisque du nom de la cacoule qui était le bonbon fabriqué au Cato. Et on a 7 orchestres, 3 en bas de la place, 3 au beffroi, et un autre orchestre qui est le partenariat avec la brasserie historique. Donc ça va se finir très tard. Et après, tout ça a été organisé par mon premier adjoint Joseph Modarelli. Et après, on va dérouler des manifestations pour arriver au 13 juillet, essayer de retrouver du monde et de retrouver ce bonheur. Eh bien, merci monsieur le maire d'avoir répondu à nos questions. Surtout, merci à vous Christian d'être venu au Cato Cambrésis. Merci. Voilà, donc bientôt, il va y avoir les canards. On va bientôt les mettre dans le bac ici. Voilà, je vous rappelle qu'on est en direct sur Code Révision. Vous pouvez nous voir sur la page Facebook. Voilà, vous pouvez voir les amis des ch'tis coureurs qui sont présents. Alors Jean-Baptiste, bientôt le départ des canards. Troisième acte, troisième ch'tis canard en selle. On est super content parce qu'il y a du soleil, il y a des canards, il y a du public. Il y a du bonheur, donc tout va bien se passer. Ça fait quoi de retrouver justement ce public après 2 ans d'absence? On est super content parce que c'est retrouver aussi l'association, retrouver des mouvements et toutes les associations, je pense qu'elles sont sensibles aussi à ces retrouvailles. Donc nous, on est content de se retrouver, de repartir sur de bons rails et de bonnes bases, parce qu'on en a besoin pour les patients atteints d'un cancer, pour les enfants qui souffrent. Et cette année, on va les gâter parce qu'ils méritent aussi. Il y a les adultes, mais il y a les enfants aussi qui souffrent du cancer. Donc aujourd'hui, cette année particulièrement, petit clin d'œil pour les enfants. Alors on sait que c'est pour une bonne cause. On sait que il y avait l'Europarole. L'Europarole, c'est pas été pareil que d'habitude. Vous n'avez pas passé à Bertry? On n'est pas passé à Bertry. C'était un Europarole 100% hollandais. On a fait toujours les 550 km en Hollande. Mais cette année, on a voyagé, on a découvert des nouvelles villes, des nouveaux environnements. De la pluie, c'était terrible. On est parti à 23 degrés, on est arrivé avec 2,3 mm d'eau dans les baskets. C'était terrible. C'est un moment particulier à l'arrivée du Europarole. Toujours très émouvant après l'effort, comme on dit. C'est terrible. On lâche un petit peu, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. Et on est fiers de l'avoir fait, surtout en équipe. On est soudés, solidaires, et c'est ça qui est la magie de cette course unique au monde. Le départ des canards, c'est dans combien de temps? Alors là, on va remplir les godets, on va remplir le godet, et c'est monsieur Tamboise qui va piloter le manuscope. Donc on espère dans un petit quart d'heure, là, pour dire on veut que tout soit carré, sécurisé aussi. On va faire descendre les gens dans la selle aussi, donc c'est très important. C'est un bel événement, il faut que tout soit carré. Peut-être acheter un ticket et puis gagner la voiture, c'est quand même... Il y a encore temps, il y a encore un petit peu de temps pour acheter. On est presque à 10 000, donc on est super content. Merci. Voilà, donc vous pouvez voir, ici, il y a déjà beaucoup de monde ici à Le Cato pour cet événement. Ici, dans quelques instants, le versement est bien ici.
dans le Godelet des canards en plastique pour cette troisième édition. Donc voilà, donc vous pouvez voir dans quelques instants, eh bien ici seront lancés les canards pour cette troisième édition. Ici, la course de canards, ici à Le Cateau. Bien sûr, ils sont en train de préparer. Bonjour Sylvie, alors la troisième édition de ces canards ici à Le Cateau. Oui, c'est la troisième édition, toujours un très grand moment à la fois pour la ville et puis pour le canton du Cateau, avec en chaque fois le soleil en plus, et puis en tout cas une superbe journée aussi au profit des personnes qui et de leurs familles qui souffrent d'un cancer, et puis aussi une très belle manifestation puisque ça amène des gens à la fois du Cateau et de bien d'autres villes avoisinantes, donc ça fait parler de la ville en dehors de ses propres murs, et puis ça fait parler du canton du Cateau, voilà. Bien entendu aussi dans l'arrondissement. Donc voilà Sylvie Claire qui vient de parler au micro de Code Révision. Je vous rappelle qu'on est en direct sur coderevision.fr, la web TV autour du Code Révision. Et dans quelques instants, eh bien, les canards seront présents ici. Nos amis hollandais sont là, de la Roparane. Et donc je pense que tout va bien se passer. Maître Carpentier, vous ne parlez pas, tout est bon, vous avez regardé, c'est parfait. Ça va et toi? Ça va. Monsieur le maire, on peut encore monter les tickets. Mais il faut aller très très vite, c'est ça. On est dépêché, parce que le maire, on va être parti. Je dois venir, je vais aller là-bas. Donc voilà, il y en a qui sont en VIP le long de la selle. On voit que les endroits les plus stratégiques pour photographier, pour filmer cet événement, qui, je rappelle, on va arriver au Parc Mon Plaisir. Les 70 premiers canards bénéficieront de l'eau magnifique. Et le premier lot, c'est la Mitsubishi, donc la voiture qui est au coin du pont Fourneau. Et les résultats vont être évoqués, vont être dits. Donc sur la grande place du Cateau, vers 19h, 19h30, entre 19h et 19h30. Et après, il y aura les festivités, tous les concerts. La soirée ne fait que commencer. Là, c'est le début de cette belle journée, de cette belle fête de l'été, avec plusieurs concerts dans toute la ville, à la brasserie, donc Place Gambetta et Grand Place.
Voilà, t'es filmé, il y a des provisions, il y a que des révisions. Voilà, c'est parti, on est dans le godelet. On va écarter aussi du godet parce que c'est très beau, vous verrez, c'est encore plus beau de plus loin parce que vous verrez. Et sécuritairement. Voilà, c'est fini. Voilà. Les 20 canards vont partir. Et on va remplir. Donc il faut absolument ne pas toucher le godet. Les règles sont strictes. Tous les canards sont numérotés. Allez, on va arriver. Et là, il faut absolument un petit cordon de ch'ti, là, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas que ça passe à côté. Il ne faut pas que ça reste dans la caisse. On se trouve bien à la caisse, il y a un petit qui est coincé. Voilà. Allez, c'est la série. Voilà, ça se remplit progressivement. Canard, là c'est le premier canard. De 1 à 500. Un godet de 500. Une caisse de 500. Par contre, il faudra que tu me donnes le numéro de téléphone de 500. Oui, on va écarter un petit peu au niveau de la sécurité. Vous verrez mieux de loin. Donc là, c'est une rempli de godet. C'était clair, mais. Je ne sais pas qu'il y a un peu de soucis parce que le godet est tranchant sur le bord. Il y en a deux. Si on tombe sur le coin du godet, on se blesse. Donc, faire très attention, on va laisser les journalistes prendre des photos. Voilà, là, il y a 8000 canards. Il y a 8000 tickets vendus. Donc, 8000 tickets avec un bénéficiaire derrière. C'est assez énorme. Ce que je disais, on comparait les courses de canards, c'est 32 000, 3 000, 4 000. Là, c'est 8 000, c'est énorme. Merci madame, merci. 4500, madame, le numéro 4500, la somme de 4500, vous êtes prêts? Voilà, on est en train de remplir le godet de canard avant. Merci monsieur Tamboise, le chauffeur, le conducteur du manuscopique, le spécialiste du manuscopique, le godet, le piloter l'engin qui va déverser. Je vais déverser les canards. Donc ça va faire le tour de la France. Ça, j'en suis sûr. Parce que toutes les personnes qui sont là ont un smartphone et ont un réseau social, Facebook, Instagram, etc. Ça va pulluler partout en France. Et voilà. La selle va être à l'honneur au niveau national, c'est certain. Les petits canards du Cateau Cambrésier, les petits canards en selle, on va en parler. Donc. Ça, c'est un phénomène. C'est très très beau, hein, cette scène. Le long de la scène, il y a énormément de public. D'ailleurs, on ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes là, le public? Est-ce que vous m'entendez? Mais je pense que pas tout le monde. Mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez chaud? Ils sont chauds, vous avez chaud, nous sommes chauds, on est bien partis. Hein, nous aussi. Nous aussi. Allez, on va passer de la prise de l'école. C'est les derniers. Alors, on va s'écarter parce que là, il y a un bruit de moteur. Surtout les enfants, écartez-vous. C'est pour la bonne. Les grands enfants aussi, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, quelle émotion vous sentez? Que du bonheur, la joie, de trouver beaucoup de monde, la joie d'avoir une association comme la vôtre, avec des objectifs pour la santé avec nous, puis voilà, de retrouver les gens autour d'un moment festif. Et tout va se dérouler aujourd'hui sur la route du Cateau. Et merci encore à vous et à tous nos bénévoles. Merci monsieur le maire. C'est vrai que c'est une journée, c'est que du bonheur. La journée va continuer. Le Cateau est en fête. Le Cateau est en fête. Et on le sait, la selle est magnifique. La selle va être baignée de petits canards. C'est très voilà, dans quelques instants, le lâcher de canards. Ici, à le Cateau. Magnifique l'eau. Monsieur Tamboise est prêt. Monsieur Tamboise. Vous êtes chaud, monsieur Tamboise, qui veut faire une photo, c'est le chauffeur. Voilà, allez, monsieur Tamboise. Et bien sûr,
cet événement est sous le patron de l'huissier, le maître carpentier aussi présent qui vérifie toutes les étapes des enregistrements et notamment l'étape de, c'est celle de la voiture finale, là au milieu. L'arrivée. Il regarde le départ, il m'a filé à l'arrivée au plaisir en hélicoptère. Il est vraiment, bien évidemment, bien souvenant, à pied, en courant, c'est un sportif, on le sait bien. Voilà, donc les canards sont dans le godet. Monsieur Tamboise a trouvé, vous n'avez pas perdu les clés? Par ici. De quoi? De Manitou. Ouais. Pas de soucis. Pour reculer le camion. Monsieur le Président, vous voulez sauter avec le godet? Allez, on va demander. Attention, sécurité. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je pense que vous devez m'entendre. On est en train de placer donc, pour le départ de la troisième édition de la Ch'tikana en selle. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire. Donc, déjà, un grand merci à la commune du Cateau. Parce que sans vous, ça n'aurait pas pu avoir lieu. C'est vrai que cette idée folle a été faite grâce à la commune du Cateau, grâce aussi à Sylvie qui a été le relais à un moment par rapport à ça, au département du Nord. Et tous les petits canards ont été quittés aussi grâce au département du Nord à l'époque. Voilà. Les petits canards que l'on garde et que l'on récupère de tous les ans, puisque, enfin, tous les deux ans, puisque on ne voulait pas le tourneau, le syndicaliste de la Seine également, la police de l'eau, et dedans, la société. Voilà, dans quelques instants, le lâcher du. De canard, ici, à Le Cateau. On souhaite bonne chance à tout le monde. 1500 billets qui ont été vendus. 8000 billets, 8000 billets, 8000 canards. 8000 canards au départ. On a 65 lots également pour une valeur de 19 000 euros. Voilà. Mais au-delà de tout ça, vous pouvez améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et c'est grâce à vous tout ça. Voilà. Une chose, personne dans le cours d'eau, on ne jette rien dans le cours d'eau. Ah, c'est bon, c'est arrêté. On ne jette rien dans le cours d'eau, bien entendu. On ne donne pas à manger aux canards. Et tous les canards à l'arrivée seront récupérés. Quand on arrivera, donc, vous verrez, il y a une petite table en U, il y aura Maître Carpentier qui sera à nos côtés avec des bénévoles pour dresser un procès verbal, puisque l'idée c'est que ce soit vraiment officiel. Les lots, les gagnants seront proclamés devant la mairie. C'est-à-dire ça, sous le beffroi, bah, juste après en fait, le temps que le procès verbal soit fait. Et ensuite on remontera tranquillement et on vous annoncera les numéros. On fera une publication Facebook et sous 48 heures tout le monde sera prévenu. Et on a 60 jours calendaires pour vous donner le lot ou venir le chercher. Voilà, je pense que j'ai été complet. Je voulais vraiment tous vous remercier. Pour nous c'est une fin de saison. Ça y est, après ça c'est les vacances. Donc grand merci à tous les bénévoles. Grand merci à nos amis hollandais. Également, il y en a deux qui sont là. Ils sont cachés, mais ils sont venus, ils ont fait 3 heures de route aller et ils repartent tout à l'heure, donc vraiment un grand merci à eux, à Bobby et à Nizam, on peut les applaudir, vraiment bravo et grand merci, il y a une grande amitié derrière tout ça. Voilà, on va lâcher Dominique, on lâche. Allez, on braque tous les caméras. Allez, vous filmez, vous partagez sur les réseaux, mais plus au Cateau, la marée jaune des canards. La marée jeune des canards, on y va, j'attends le feu vert du conducteur du chauffeur qui n'a plus qu'un second pour le corps. Attention, c'est bien bonne partie. Que Tamboise, j'entends votre top. Repère 5, on va partir de 5. On dit 10, allez 10, on y va. C'est bon, monsieur Tamboise? Oui, on y va. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Thank you.
Voilà, c'est parti, le départ est donné. Voilà, c'est parti. Ils sont partis. Voilà, vous pouvez voir que les canards sont partis. Et voilà le premier petit canard qui arrive. Bon, c'est le premier. Tu vois comment il fait ? La voiture ! Allez ! Elle est où la voiture ? C'est une bagnole miniature, c'est rigolo. Oh là là, il y en a plein qui se gardent. Ça y est, faut pas le dire. 7070. C'est pas moi. Ah bah c'est un 7000 en plus. Non, le premier c'était 1000. Il y en a un, il y en a un, il y en a un. Mais vous la rendrez pas le flic. J'aurais pas. 2975. Voilà, on se retrouve pour les résultats dans quelques instants en direct à tout à l'heure sur coderevision.fr, la web TV autour du Coderesi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Locato Cambrési. La municipalité est heureuse de vous offrir cette soirée. On a commencé par les petits canards en sel, dont le tirage va avoir lieu dans quelques instants pour les 20 premiers. Donc, je voudrais remercier Locato Expansion, le conseil municipal des jeunes, bien entendu, les petits coureurs qui ont œuvré déjà depuis cet après-midi 15-16 heures pour préparer donc cette course sur la selle.
Et puis j'espère que tous ceux qui ont participé au tirage vont pouvoir être gagnants. Je l'espère, parce que tous les gagnants ont participé. Donc, tous les gagnants ont tenté leur chance. Voilà, donc merci à tous. Merci à toute cette organisation. Et puis, j'espère que vous passerez une bonne soirée dans notre ville. Et puis, j'en profite pour vous annoncer qu'il y a un cochon grillé qui peut vous attendre là-bas en haut par le Cato Expansion. Et puis, nos amis cafetiers sur la gauche, sur la droite, en avant, en arrière, qui sont prêts à vous accueillir. Et on vient de me signaler que j'avais oublié le LALP, bien entendu. Merci au LALP également d'avoir participé à la mise en place de cette journée. Donc voilà, place maintenant au résultat des Ch'tis Canards. Merci Monsieur Modari, merci la municipalité du Cato. On va aller à partir du 21 au 1er. Et le 1er, bien sûr, c'est la voiture, on va l'appeler. Oui. On appellera donc le gagnant ou la gagnante. Hein. Tout a été fait sous contrôle d'huissier sur notre gauche. Ça continue encore, il y a 65 lots en tout. Moi, je voulais vraiment remercier la municipalité. Merci, monsieur le maire. Je vous vois là-bas, vous êtes un peu caché, mais je vous vois quand même au café Le Centre. Toute la municipalité et puis les commerçants aussi qui ont joué le jeu. C'est la première année où on a vraiment autant d'émulation avec le commerce de Le Cato, et ça, on en est fiers. Toute cette course de canard en selle, bien entendu, moi je veux le répéter, et en plus, sous témoin, puisqu'on a des Hollandais, Nitzan et Bob, qui sont là. Alors, on améliore la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer grâce à la Roparun. Roparun, Paris-Rotterdam en course à pied. Il y a 15 jours, on a fait cette Roparun sous un déluge, mais on l'a fait pour les personnes atteintes d'un cancer. Pendant cette Roparun, je peux vous jurer qu'on a reçu une vingtaine de demandes pour des billets de canard. On était en Hollande, ça se vendait encore par Internet. Ça se vendait déjà par Internet. On est fiers de ce qu'on fait, on est fiers de pourquoi on le fait, et on est fiers d'avoir des amis comme vous, Bob, Nitzan, mais aussi tous ces amis néerlandais qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui, on est en direct sur les réseaux sociaux, mais sachez que ça like également, et on connaît Le Cato, on connaît Caudry, on connaît Bertry, et on connaît toutes les manifestations qu'on fait. Et on améliore cette qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Alors merci à tous. Et déjà bravo pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et pour eux. Alors. Le 20e prix. Alors je sais pas qui est là, mais c'est tout petit. Hein. Je me sens bossu. Alors le 20e prix, c'est... Meillot. Odile Meillot. Donc de Saint-Quentin. Le 40-66. Donc ça, c'est le numéro de billet. Le 19e prix. Donc il y a un bon d'achat de 50 euros à Intermarché Le Cato. Donc c'est monsieur ou madame Cressin. P. Cressin. Ou Pi Cressin. C'est le numéro 30-20. Donc au niveau du billet de Tombola. Le 18e prix, qui est un bon d'achat de 50 euros à valoir sur les gîtes de France. Offert par la Cressinière de Bertry, c'est monsieur ou madame Tamboise, le 920. Ensuite, le 17e prix, c'est une carte d'abonnement adulte forme bien-être à la piscine du Cato et de Caudry quand elle sera ouverte, on l'espère très vite. Donc c'est le 13-31 et c'est monsieur, c'est madame Deloire à Bertry. Si vous êtes là, vous le dites, hein. On pourra vous donner les lots tout de suite. Le 16e prix, c'est une machine Nespresso. Numéro 4695, et c'est donc Magali de Briastre. Le 15e prix, c'est une cocotte Le Creuset de 180 euros, c'est le 4711, et c'est François Rémy de Caudry. La cocotte Le Creuset de 240 euros, le 14e prix, c'est le 2975, monsieur Delo de Cambrai. Monsieur Delo Daniel de Cambrai. Le 13e prix, c'est un bon d'achat de 100 euros à valoir sur les réservations Gîtes de France. C'est monsieur ou madame Sauvet de Aulnoy-les-Valenciennes. Le 12e prix, c'est un bon d'achat de 150 euros chez Livy, donc une lingerie de luxe sur Lille. Donc c'est Marumec, monsieur ou madame Marumec, le 15-85.
Le 11e prix, qui est un bon d'achat de 150 euros à Leclerc Jouet Caudry, offert par Leclerc Caudry. Le 67,95. Et c'est monsieur et madame Kersin de Montet. Monsieur et madame Kersin de Montet. Le 10e prix, qui a également un bon d'achat de 150 euros à Leclerc Sport à Caudry. 44,79. Caladou. À Le Cateau. Monsieur et madame Caladou à Le Cateau. La 9e prix, c'est une friteuse sans huile d'une valeur de 200 euros. Donc c'est monsieur, c'est madame de Bayeux, le 35,98. Le 8e prix, qui est un repas VIP tout inclus à la maison de marque de Cambrai pour une valeur de 210 euros, c'est le 15,81 et c'est Cambrai Corinne, donc de Bertry. Donc c'est 15,81. Le 7e prix, c'est donc deux menus McDo pendant un an au McDo de Caudry. Deux menus par mois pendant un an, pardon, d'une valeur de 240 euros. Et c'est le 39,40, c'est monsieur Grandjean, monsieur ou madame Grandjean. Les deux pizzas par mois pendant un an à la pizzeria au feu de bois de Bertry, d'une valeur de 240 euros également. C'est le 16,20 et c'est monsieur ou madame Lantoine de Le Cateau. Le bon d'achat de 200 euros à l'hyper Leclerc Caudry, offert par Leclerc Caudry. Le 69,53 et c'est Poulain Didier. Le 4e prix, qui est une pompe à bière Philips Perfect Draft, ça tombe bien, il fait très chaud, d'une valeur de 260 euros, c'est le numéro 6125 et c'est Ribeiro Lola à Solem. Le 3e prix, qui est son point en peinture chez Théodore Peinture à Caudry, donc d'une valeur de 300 euros pour une base de 80 kilos. Bien sûr, si c'est plus, bah, ce sera plus. Hein. 51,79 et c'est Ikema. Monsieur Madame Ikema, 51,79. Le 2e prix, qui est un pass annuel intensité, donc tout inclus à la piscine du de Caudry et de Le Cateau, d'une valeur de 610 euros. C'est le numéro 487 et c'est Coquelard Delphine. Et le premier, ou la première, alors là on va appeler. Hein. Alors, c'est... Alors on va partir à Kiévi. Alors elle est peut-être là en fait la personne hein. Donc c'est une personne de Kiévi qui a gagné. On va appeler, peut-être qu'elle est là hein. Il y a des gens de Kiévi ou pas? On sait jamais hein. Est-ce que vous allez entendre? Ouais. Vous entendez quelque chose ou pas là? Ouais, ça sonne, c'est bon. On va lui faire la surprise hein. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Madame Desjardins. C'est ça. Vous habitez à Kiévi. Bien sûr. Voilà, vous avez pris des billets pour la ch'ti canard en sel. Des quoi? Des billets de tombola pour la ch'ti canard en sel. Je sais pas, t'as pris des billets pour la ch'ti canard. Pour la ch'ti canard. Deux trucs de Bertrand, les ch'ti canards et ch'ti canard. Oui. 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 Bon. Vous avez le billet. Ouais, vous avez le billet avec vous. T'as le billet, Greg. Fais peur. Hein. Faites pas peur. Alors. Vous êtes en direct. Est-ce que vous avez le permis? Oui, on a le permis. Est-ce que vous avez le permis de conduire? Oui. Bon, alors, vous avez gagné une voiture. Vous avez gagné le premier prix. Alors c'est quel numéro? C'est le 3207. C'est bon là. Vous avez gagné la voiture. Et tout le cateau vous applaudit. On est en direct sur le cateau. Alors c'est pas une blague hein. Non, et d'ailleurs si vous êtes sur Libre, venez ce soir, il y a la fête au cateau. On n'est pas là, on est sur le lieu ici, on est près de Calais. Et ben vous avez perdu la voiture. Non, on rigole. Non, elle sera disponible parce qu'il faut l'immatriculer, donc il faut carte grise, etc. permis. Et donc voilà. Bon, donc, bravo, félicitations. On va vous laisser tranquille pour ce week-end et on se recontacte la semaine prochaine. Ne perdez pas le billet. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, félicitations. Voilà, bonne soirée à vous.
Voilà, on vous laisse tranquille, on vous laisse faire la fête, on vous remercie. Merci Nidzan, merci Bobby. Merci la municipalité, merci à tous les bénévoles chicoureurs et je pense à tous les bénévoles qui sont encore en train de ramasser les canards parce que l'idée c'est de ne pas en laisser dans la selle parce qu'on ne pollue pas la selle. Merci à toutes et à tous et passez une bonne soirée. Et rendez-vous en 2024. Et bien voilà, ainsi se termine ce canard à la salle ici à Le Cateau. Merci de nous avoir suivis sur coderevision.fr, la web TV autour du Coderesi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres reportages sur coderevision.fr, la web TV autour du Coderesi. Alors Alban, le gagnant, la gagnante. En direct. Ouais, en direct, c'est en fait c'est un petit peu notre rituel. On essaye d'appeler et puis de mettre un peu le show et c'est vachement agréable parce qu'en plus on se rend compte que les gens, ils ont joué peut-être il y a longtemps. Et puis t'as le billet, t'as pas le billet. Mais en fait ils ont gagné et en fait on fait plaisir à des gens en plus au niveau local et ça c'est encore mieux quoi. Je pense qu'on a peur quand on attend le coup de fil et puis on se demande où on a mis le billet. Ben ouais, on se demande. Et puis en fait, je pense qu'ils n'ont pas notre numéro de téléphone, donc ils disent oh, un numéro qu'on connaît pas. Enfin voilà. Mais on est très content pour eux en tout cas. On est vraiment très fiers et très très content. Et voilà, encore une saison qui se termine. Et maintenant, on va pouvoir souffler un peu. On va continuer de ranger les petits canards. Et puis après, on viendra boire un verre tranquillement tous ensemble pour mettre un peu de maillot jaune et un peu d'ambiance. Eh bien, merci Alban. Merci Christian. Merci à tous. Merci à Coderevision. Et bien voilà, on vous donne donc rendez-vous pour d'autres reportages sur coderevision.fr, la web TV autour de Coderesi. Ciao, ciao, soyez prudents. À très très vite et à très bientôt sur Coderevision.